Alice. Merci, welcome. Ah ben, il n'y a personne pour l'instant. Là. Donc là, nous, on s'est garé au Witty. On arrive par le City Walk. Ah ouais, c'est pas du tout le même endroit par où on était passé la dernière fois, c'est marrant. Et là, on va aller à l'entrée, on va récupérer nos tickets qu'on a pré-achetés sur internet hier soir. Et voilà. Et on va tracer à l'espace Mario avant que ce soit noir de monde comme c'est le nouvel. Oh là là, c'est trop beau ici, hein. C'est magnifique. C'est quand il fait très chaud, ça. Ouais, la verre qu'on vit dans le jeu, quoi. Il y a la t-shirt Spice Girl pour les petits achats, la verre qu'on vit là. On peut dire là après. Hein? Je sais pas, Lana. On va faire déjà plein de choses aujourd'hui. Ben and Jerry's. Trop beau, hein. Magnifique. À l'envers. Elle est à l'envers, la voiture. Avec la vache qui conduit, elle a fait n'importe quoi, la vache, hein. Là, le vaisseau, il a eu un petit souci. Petit souci. Et là-bas, il y a le fameux globe. On va aller là-bas. Et go. Petite sécurité. Ah oui, effectivement, on va tout au fond, elle n'a pas de queue. Voilà. C'est le nouveau truc et que ça va être blindé. On va aller au lower level là, en dessous, pour aller faire Mario. On va faire que des allers-retours. Hein. Monter, descendre là, open. J'ai l'application aussi pour voir les spectacles et tout ça. Voilà. C'est parti. Il est 8h53. Bah oui, oui, oui. De toute façon, on va tout faire. Hein. On a pris l'express, comme d'hab. Que sans l'express tu fais 3 manèges et t'attends des heures. On a pris l'express, donc ça on va pouvoir tout faire. C'est les buts. Et les Simpsons, c'est la seule attraction, même avec le pass express, t'attends 1000 ans. Ah ouais. Il faut descendre, oui. Je me souviens, t'es dans un style comme roller coaster, mais c'est que des. Ouais, ouais, c'est trop bien. La baie est super bien fait. C'est là qu'on va. Ça y est, c'est ouvert. C'est trop beau! Oui! On va voir Mario! Par contre, il y a une queue de ouf! Ah ben, il y aura une queue de fou, hein. C'est normal, c'est tout neuf, c'est pour ça qu'on trace là-bas! Avec les nuages! Trop magnifique! Là, c'est Transformers, la momie, là, c'est Jurassic Park! On voit! Ah, regarde la chute! Transformers, on l'avait pas fait! Ah, c'est génial! Si, si, on l'avait fait! C'est génial, Transformers. J'ai jamais vu le film, l'attraction elle est incroyable. Donc là, il faut laisser dans le parking à poussette. Et on rentre là, dans le tuyau. Trop bien. Énorme. Énorme. Thank you.
Les gars, ça mouille hein, ton téléphone. Elle peut pas bah non, elle fait pas ça, ça va pas ou quoi? Elle doit pas. Je vais aller au Dino Playground avec elle, allez-y. Allez, nous on va jouer là. Un petit playground juste à côté pour les tout petits. C'est parfait. En fait, ce qui se passe pour l'espace Mario, c'est qu'en fait, il y a 4 attractions, c'est des trucs interactifs, pas des vraies attractions. Et il y a une grosse attraction, mais avec le Pass Express, il marche pas là-bas, il y a 50 minutes d'attente. Donc on va profiter pour faire tout le reste, et puis éventuellement, quand on aura fini, on ira attendre. Mais voilà, du coup, on a skippé, on reviendra peut-être plus tard, mais là, c'est pas possible, on va pas commencer la journée avec 50 minutes d'attente. Donc là, on fait tout ce qu'on peut enchaîner au niveau du bar, on remontera, et puis éventuellement, voilà, en fin de journée, on reviendra ici. Et en attendant, Alice se régale ici, et les autres, ils doivent être en train de faire l'attraction. Il y a un souci technique. Qu'est-ce qu'on voit? Ils étaient devant. J'ai été trempée. Jurassic Park, à la fin, il y a une chute dans l'eau. On a un peu transpiré. On va faire la momie. La momie, comme ça. Après, comme ça, on remonte. Non, c'est chaud. Elle est allée chercher la couverture. Je pense que c'est bon, les corn dogs? Oui. C'est américaine, celle-là. Maman, à 6 ans, j'ai fait le Space Mountain. Oui. Bon, je viens enfin, après ma troisième visite Universal, faire la momie. Ah, c'est violent. C'est violent. Non. J'ai bien crié, mais il n'y a pas de looping, il n'y a pas de grosse chute, mais c'est très, très vif, quoi. C'est très brutal. Et tu t'es évanouie. Non, c'est pas, si. Absolument pas vrai. Tu peux demander par contre, à maman. J'ai énormément crié. Par contre, grosse arnaque, ça dure. Une minute. Ouais, franchement, je sais même pas si on les fait, les 1 minute. C'est vraiment très court. Heureusement, on a l'express, on allait direct. Sinon, il y avait 55 minutes d'attente. Franchement, 55 minutes d'attente pour faire un truc qui dure 30 secondes, j'aurais eu les boules. Bon, on remonte. C'est l'expédition de remontée. Mon chéri. Il y a 4 escalators comme ça. On va aller faire les studios tours. Comme ça, Alice, elle peut faire un peu un truc, là. Allez, chercher. C'est parti. Allez, on va aller là-dedans. On va voir les studios. On va prendre les petits trains, tu vas voir. Ça va être super sympa. Et on va aller voir les studios où ils font les films. Là, on voit les dents de la mer, on voit le bassin. Allez, c'est parti. C'est parti? T'es contente? Oui. Ah, ça va être trop cool, hein. C'est parti, studio tour. Allez, tu parking à poussette. Let's go. My name is Mike. I'm so happy to be here. The Flint will be on. Bring a bunch of into the Flint sauce. One with the Rumble will be on. And Measley's flying car from Harry Potter. I've heard that before. Oh, yeah. I've seen this neighborhood quite a bit in season 4 of Never Have I Ever. In season 2 of Never Have I Ever, there's a scene where Davey is picked up and given a ride home. That takes place in this cul-de-sac coming up on your right. So it looks like they were driving for miles to get to her house. In reality, her house is only a couple hundred yards up the street, but you notice how the street is serpentine or curved, so you can't see around the corners. So we can make it appear as though we're driving into different neighborhoods all day long. Here comes Davey's house on your right. No. It's a yellow house. No. Coming up on the right. Davey's home group. Never have I ever. This is the way it is until the production company comes in and dresses it how they want it to look. When they're done, they undress it and leave it blank for the next production company. In the back of the house, that's where the pool party is going to be. There's going to be manicure stations and pedicure stations everywhere. It's going to be a lot of fun. Hey, that ain't right. That must be from the last party. He's up to his old tricks. Watch this. He hates it when I do this. That's right, Norman. It's Marcellus. Remember this? Going back to the hospital. Stay right there. Security's on the way. It's a great motel. Too bad we can't stay. Well, you can't catch. Just run a moving vehicle. Wait a minute. He's walking too fast. Look at people with blonde hair. Well, this
site. Quote Steven Spielberg's War of the Worlds. Sorry, Tom Cruise and Dakota Fanning. This is one of the largest sets ever built for a motion picture. Despite the use of these realistic life-size sets, the film still contains over 500 visually begged shots. C'était bien? Oui! Ouais? C'était chouette? C'est quoi que t'as préféré? Tout ça! Tout? Oui! Tout ça? Les voitures, t'as bien aimé les voitures? Correct, hein. La casquette, s'il te plaît. Oui, elle veut jamais contrarier, elle. Mais t'as tout aimé? Oui! Oh. Elle est là, le poule! Non, c'est pas celle-là. Elle est un peu plus loin, elle est au début. Elle est au début, c'est bien, tu as reconnu que c'était une rouge, c'est bien. Lana, Sienna, c'est quoi que vous avez préféré dans le tour? Moi, j'ai adoré le dernier truc là. Fast and Furious? Les voitures? Et toi, Sienna? King Kong. King Kong? Eh bien, King Kong, hein. C'est bien fait, hein. C'est trop bien parce que la dernière fois qu'on est venu, il n'y avait que les simulations, il n'y avait pas les trucs qui bougeaient. Bah, les voitures? Non, il n'y avait pas. Les voitures, on comprend rien. Allez, go! Fais le check! Oui! Oh mon Dieu, ce qu'elle lui apprend! Allez, c'est parti! Là, comme c'est beau! À de la neige par 30 degrés, on a un peu du mal à y croire, quand même. Elle a la baguette de la dernière fois pour animer les vitrines. Elle a emporté au voyage et ce matin, dans le rush, on l'a oublié. On n'a pas la baguette, on est déboulé. On revient, je sais même pas quand on reviendra ici. Et du coup, c'est trop dommage. J'y ai pas pensé non plus, elle y a pas pensé. Elle est à l'appart, mais voilà. Ah bah non, c'est glacé, hein. C'est normal que ça bouge pas. C'est toute la glace. C'est trop bien fait. La neige, j'adore. Plus de 1000 degrés. Allez, on va aller faire deux attractions. C'est des pas cochères avec des ailes. Il va falloir s'alterner avec la poupette. Parce que je pense qu'il y a un switch. Il y a un switch enfant dedans. On va pouvoir se switcher. Ah ouais? Voilà, on va aller dans le château et on va faire le child switch. C'est-à-dire que Alice elle reste avec un. Et après, cette personne-là est prioritaire pour enchaîner sur le tour d'après. C'est pas la même ligne du coup, donc les deux lignes sont différentes. Ah, oh, c'est énorme. Là, il y a Dumbledore. Allez, on avance. Allez, on passe devant tout le monde avec le Allez, face. C'est trop fort. C'est trop bien fait, hein. Allez, voilà, regardez l'express. 70 minutes de queue. Non, on en a zéro. Ça, je vous dis, hein, on n'a jamais fait Universal sans ça et on le fera jamais sans ça. Il vaut mieux venir moins souvent mais faire ça comme ça. Voilà. Donc on peut enchaîner, c'est ça qui est cool. Et il y a le child de switch, c'est-à-dire que quand je vous dis, je reste avec Alice. These benches are not safe for you. If you are still too small, you must be more than goblins. Première fois que je teste le child sur le child de switch, c'est une salle, comme ça, avec les petits, en fait. Comme ça, prend enfin toutes les deux. Trop petit de toute façon, ça fait trop peur. Allez, je vous emmène dans Harry Potter, deuxième fois qu'on le refait. Parti! Come on, you did it! They're flying! Okay! We're on our way! We'll meet you outside! Sorry! Those fences can be a bit dodgy! Can we almost anyone yet? Not this week anyway! Oh.
attractions, elles sont ouf. Comment ça s'appelle ça déjà? C'est l'attraction de ça. C'est beau ce château là. Beau hein? Ça va les filles? Oh je sais pas, c'est ta fille je crois. Mais pourquoi je fais ça? Mais j'oublie des fois pourquoi je fais des choses. Là ça va aller vite! C'est encore plus court que la momie. En effet. Mais t'as vu comment ça va vite? Bon, là on est arrivé en France. On va aller faire pets comme des bêtes. Si Alice, on ne s'endort pas, mais c'est mal parti. Il y a Mignon, les Mignons aussi ici. Ouais, c'est celui-là, je crois qu'on avait fait. Il était très très bon. Celui-là ou un autre, je sais plus, mais on avait mangé dans le quartier français, c'était trop bon. Je crois que c'était celui-là qu'on avait fait. Là, il y a le Funland. Là, je crois qu'elle va se mouiller un peu. Allez, on va faire Pets pour la petite coucounette. 55 minutes normalement. La queue, elle est trop belle, tu vas voir. Rien que la queue, elle est trop belle. Alors, l'avantage est universel, c'est que les attentes se font à l'intérieur, hyper climatisées. Oui, il y a Max. Du coup, c'est très agréable parce qu'on ne meurt pas de chaud dehors. Même s'il fait que 29, on s'en sort bien. Et dehors, il y a des brumisateurs. Mais en tout cas, les queues, voilà, elles sont au frais et ça, c'est top. Genre ça, c'est dans la ligne d'attente, quoi. Alice, vas-y. Elle est intimidée. Lana. Et la queue, elle se fait dans les apparts. Ah bah oui, imagine s'ils mettent un vrai canapé. C'est génial, c'est pas la meilleure file d'attente de la Terre. C'est un musée le truc. Ah, c'est la chambre du petit lapin. Garde. Et ça, si vous n'êtes pas express, vous ne l'avez pas. Non, c'était déjà là. Et c'est donc tu rêves, tu t'en rappelles plus? On a été devant direct. Trop bien. C'est les wagons. Oui, ça va être trop bien, ma chérie. Oui, il y a plein de trucs. Ah, là, il y a Sandra et Lolo. Allez, regarde. Wait, regarde les feux d'artifice. Ah oui, elle est lapin là. Ah, ils ont.
C'est pour qu'ils prennent le bain. This is gonna be great. T'as vu? C'est le premier vrai truc d'Alice. Alice, t'es contente? Les filles, regardez-moi. Regardez-moi. C'est parti. Go. Trop bien. Ah bah oui, parce qu'Alice c'était il y a pas longtemps aussi. Attention. Trop mignon. Je vous bouge. Trop bien. Ah bah oui, il y a plein de gens qui viennent pour leur anniversaire en même temps. Et là, même là, il y aura des images partout et les sièges ils bougent légèrement, c'est pas non plus la grosse folie, mais ça bouge. De Waterworld, c'est parti. Wow. Let's
Let's go. C'est à 3h15. On est nickel. C'est un spectacle sur l'eau. Close the gate! Back! Kicking our butts like that. Pull it up. Là c'est sympa, il y a plein de trucs à regarder. Bon, on vient de faire Simpson, je peux pas filmer, c'est interdit. La momie, on descend là, on va faire Transformers, on peut refaire la momie, oui, si tu veux. Alors je fais jamais ça, j'imprime jamais les photos. Elle est volante, j'avais regretté, mais alors celle-là, alors on a moi qui hurle, Nico qui lutte, Lana qui le mord, Sienna, elle fait genre j'ai pas peur mais bof. Il n'y a que Sandra qui est à fond. Il n'y a que Sienna qui est à fond, qui est à fond, quoi. Tiens, c'est pour toi. On pourra l'imprimer. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, je l'ai commandé en digital, donc on pourra l'imprimer. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Souvenir de ton birthday très original. Ouais, on vient de faire Jurassic Park. J'ai pas fini, j'avais bien filmé la dernière fois, je vous mets le vote dans les lits. Et on va aller faire Mario. Maintenant que ça s'est un peu calmé. Alors, on retourne à Mario pour faire le seul attraction qu'on a pas fait. C'est une boutonne. C'est génial. On est passé par l'autre entrée qui est un peu plus, un peu moins, voilà, blindée. Moi j'ai toujours aussi blindé dedans. Tant pis, il y a 90 minutes d'attente, donc on va les attendre parce que il nous reste que ça à faire. On peut refaire, on a refait la momie, on a fait Transformers, j'ai pas filmé, c'est un rapport, il m'avait bloqué la vidéo, la séquence. Quoi? Une heure et demie. Bah oui, mais il reste plus que ça à faire. C'est quoi 80, 20 minutes, c'est quoi ça? Ah mais là il y a un petit truc. Allez go. Magnifique. On va attendre longtemps mais au moins le cadre est magnifique. Ah trop beau. Magnifique. Trop beau. Oh waouh. Magnifique. Vas-y, dis non. Magnifique. Oh là là, c'est beau ces couleurs. Bye.
90 minutes. Il est où, Laurent? Motion sickness or dizziness. Ça a l'air assez hard quand même, hein? Sudden acceleration, turning and spinning. High speed race. Ah, really simulation. C'est un simulateur apparemment. En fait, je me suis pas renseigné parce que je voulais pas me spoiler. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il arrive, Laurent. Oh là là, regardez-moi ça. Un peu les consignes. Ah, t'appuies sur les deux.
on a fait la queue pour jouer à Mario Kart. C'est ça. Alors qu'on l'a à la maison. Mais jouer en live, c'est quand même plus sympa. Allez, il faut prendre un petit casque comme ça. On va faire la tête, merci. Trop fort. Oh non. Oh le petit bouchon. Hop là. Trop fort. Non, mais c'est toujours le truc d'arrivée.
Harry Potter. Harry Potter. Sandra, Lolo, c'est quoi que vous avez préféré? Moi, c'est Harry Potter. Ouais. Ah, moi, c'est Harry Potter aussi, non, je l'aime trop. Harry Potter, non, je sais, après, c'est Gerbos. Ouais, c'est Gerbos. Hein. Jurassic Park. Ouais, Jurassic Park, j'aime bien. Moi, je suis trop fière de moi d'avoir fait la momie deux fois. Moi, c'est la momie. C'est la momie, il est bien, il est bien. Pourquoi tu l'avais pas fait la dernière fois? Parce que j'avais peur d'avoir peur et je comprends pourquoi. J'avais peur d'avoir. Non, mais attends, mais ça, c'est parce que t'as regardé tous les. Les avertissements? Oui. Bah, c'est parce que Sandra m'a. Parce que vous savez quoi. Merci. Bref, je suis trop contente de l'avoir fait. C'est une super méga belle journée. Je pense que Sienna se rappellera de ses 11 ans, un petit moment. Et voilà, c'est pas fini, on va manger. 14 000 pas quand même, hein, et on n'est pas encore en parking. Et on a tout fait, on a absolument tout fait. Tout fait plusieurs fois, c'était trop cool. Trop cool, je sais pas quand est-ce qu'on reviendra, certainement pas tout de suite pour nous. Mais c'était trop cool. Hein. Magnifique le City Walk. City Walk, oui c'est ça. Oh là là, magnifique. C'est pas trop beau? Oh, il y a des crêpes. Las Vegas. Ah, ça fait un mini Vegas carrément. C'est le strip de Universal. Magnifique. Regardez là, il y a la carte de ce que Forrest Gump a couru. Ah oui, bah oui, ah oui. C'est joli avec la lumière, ouais, j'ai vu. C'est le miroir d'eau de Nice. Oh boy. Shrek. Hi. Magnifique. Hein. Là, il y a le gorille. Il y a le King Kong. Our show's here. Coucou. Hello. Hello. Ah, on descend. Ah, voilà une chose. Ah non. Bon, je vous prends tant que je suis pas encore lavé, machin. On est éclatés. Il y en a qui ont déjà pris la douche, d'autres qui sont en train. Il y en a, c'est très très long, d'ailleurs. Lana et Sina qui se lavent ensemble, ça dure toujours 4 heures. On est mort. On a fait 15 800 pas. On va dormir comme des babes. Ouais, en fait, ça, mine de rien, on marche beaucoup, puis ça monte, ça descend. On a beaucoup marché, on a enchaîné. Franchement, encore une fois, le Pass Express, c'est beaucoup plus cher. Mais vaut mieux venir moins souvent et faire ça. Quand on a vu ne serait-ce que la 1h30 d'attente là, pour Mario, on se dit qu'on aurait pu passer notre journée à attendre. Enfin, franchement, il y avait des files, puis il y a des attractions. T'attends une heure pour. Enfin, littéralement, la momie, c'est une minute de ride, quoi. T'as les boules quand même. Ouais. Enfin, bref, c'était trop bien. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est ça. Alors, moi, je suis contente parce que la première fois qu'on est venu, bon, bah, c'était de la découverte totale. La deuxième fois, on a découvert Harry Potter. Et là, la troisième fois, on a découvert Mario. Il y avait comme des pets aussi, comme des bêtes aussi la dernière fois qu'on avait découvert. Et là, on a découvert Mario. Moi, j'ai découvert la momie. J'ai enfin eu le courage de le faire. Il est grandiose. Si vous aimez les grands 8, go. Et voilà, écoutez, on vient de commander Jap. Comme ça, tout le monde peut se laver pendant que ça arrive. On va manger et on va dormir. Clairement. Voilà, demain on va la prendre cool demain. Bref, même la vie, est-ce que j'en ai besoin? Je sais pas jusqu'à combien on est monté, ils avaient dit 31 max. Il faisait chaud, à un moment il faisait chaud. Heureusement les queues elles sont toutes à l'ombre dans la clim, donc c'est cool. Et dehors il y a tout le temps des brumisateurs partout, c'est très très bien fichu. Contrairement à Disney où je me rappelle, on était morts parce qu'on s'était dehors, les files d'attente c'était horrible. Là c'est tout le temps dans la clim, donc c'est très bien. Je crois qu'elles ont fini, ouais je vais y aller. Allez, il est grand temps. Il est affamé. Il est là, bon, ceci. Affamé. Et bonne à bonne. Tu veux la bouteille, fille? Allez. Let's go. Bref, on va se coucher, on est tous éclatés. On espère que le vlog vous a plu. À deux. Et bis. C'était une bonne journée. C'est une bonne journée. Ouais. T'as d'être à Lana. Allez, bisous.